Salut à tous et à toutes, c'est Selinka pour le défi Ironman. Je suis toujours en Orneval. Tiens, il y a un rat. Il n'y en a plus. Non. Et je suis en compagnie de Kriz, que ça fait longtemps. Eh oui, ça fait longtemps. Salut tout le monde. Très longtemps. J'espère que tout le monde va bien. Bon, j'ai pas de raison. On est là pour suivre tes aventures sur World of Warcraft. Ouais, donc là, je t'ai un peu invité parce que tu as joué à WoW, comme beaucoup de monde, hein, c'est... c'est sûr. Et tu as joué chasseur. Oui, c'était... C'est ça, oui, c'est à haut level, mais c'était dans quel... J'arrive plus à savoir ce que je voulais faire. Voilà, c'était ça. Et je me perds déjà. Donc voilà, la suite, épisode 13, me semble-t-il. Oui, épisode 13. Oui. Donc voilà, si tu vois des... Enfin, à mon avis, il n'y aura pas que des petits... Coucou. De quoi ? Tu as déjà des gens qui te font coucou. Bah oui, je suis populaire, moi. Bah, oui. Voilà. Bisous. Déjà, je regarde un peu tes barres de skill, voir ce qui a changé. Bah là, en fait, c'est pas le meilleur... Vu que c'est le défi, tu vois, je suis quand même sacrément... Tu n'as pas les points de talent, tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc Steph qui me dit salut. Comme je suis gentille, je dis salut. Et voilà. J'aime bien Steph. Elle est gentille. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure façon pour comparer vraiment. Parce que au final, vu que tu peux pas. J'ai rien là-dedans. Et tu vois, rien que ça, ça a tout changé quoi, par rapport à ce que. Ah ouais, moi c'est. À ce que j'ai connu. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis plus un joueur de Vanilla à la base. Vanilla, même pas. Baisser un peu. Mais la majeure partie de mon temps, ça a été sur Vanilla quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment commencé à dessiner. Il y avait mon frère qui jouait à Vanilla. Mais... Voilà, c'est bon. Donc, Diarkos qui me dit bon tournage, numéro 13. Tu as peur ou bien c'est porte-bonheur? Quoi qu'il en soit, choco bisous à toi. c'est vrai que j'avais pas pensé que c'était numéro 13. Hein. Mais je suis pas du genre super. Superstitieuse, c'est comme ça qu'on dit. Oui, superstitieuse. Donc, non, pour l'instant, ça va. Je me dis, de toute façon, cool. Si t'étais superstitieuse, tu m'aurais pas demandé de venir pour l'émission 13. C'est ça, c'est vrai que tu portes la poisse. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, je continue les quêtes. Hein. Tiens, t'as vu? Un gardien. Il est plus là. Oh là là, c'est dingue parce que t'as que du stuff blanc, mais il y a des critiques dans tous les mais sens. Mais ouais, non, c'est quand même assez impressionnant parce que moi, j'ai vu un peu comment ça se passait, tu sais, le défi de Kiran avec son guerrier. Oui. C'était. Tu vois, à côté, c'est une promenade de santé. Moi. Ouais, sur Skype, il avait le stress à chaque fois. Ah, bah ouais, c'est une mais... Là, tu vois, c'est vrai que j'y vais un peu tranquille en plus. Je suis un peu plus haut level. Putain, il y a au moins 5 critiques par monstre. Et je jure que j'ai que du blanc. C'est hallucinant. J'ai que du blanc au max. Ouais, je crois que j'ai même plus de gris. Et tu as que 3% de chance de critique. Et ouais, non mais c'est... c'est aberrant. On est d'accord. On est bien d'accord. Donc des gelées pourries, ça. C'est toujours charmant. Apparemment, il faut que je les tue avant qu'ils lancent leur sort. On m'avait dit qu'il y a un... Mais je les ai jamais vus lancer leur sort. Je crois qu'ils ont jamais eu le temps. Mais non, c'est vrai que tu enchaînes facilement avec le chasseur. Oui. Ouais. Aucune difficulté à monter cette place. Qui sait, peut-être que j'y arriverai jusqu'au bout. Oui. Et voilà mon chat qui commence à gueuler. Hein, elle peut pas me laisser tranquille, ne serait-ce qu'une fois. On s'en rit. Oula. Elle attaque une feuille de donjon et dragon là. Là, je vais me fâcher, je vais voir du tout rouge là quand même. Oui, ils sont agressifs. Moi, j'allais passer entre les deux là, toi tranquille. Nature. T'as vu ça? 471. Ouais, c'est un fou furieux quoi. Ah, un nouvel arc. T'as vu? Je l'ai vu. Hein. Maintenant, je repère le gris. Ouais, mais il est moins bien. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oula. Oh. Ça c'est pas cool. C'est pas l'élite déjà mais... Non, c'est pas un élite, c'est un mob de quête, mais je l'ai déjà tué pour avoir son sapeur. Mais c'est vrai qu'il revient vite. Il va falloir que je me méfie. On va dézoomer un petit peu. Qu'en pensez-vous? Ça serait pas bête. Et il me manque une huile. D'une seule petite huile. Une huile de gelée pourrissante. Ouais.
Faire la cuisine, sûrement. Ouais. Je pense que c'est pour faire fermenter les chèvres. Les chèvres ? Fromage de chèvre. Ah. Ça va se sentir bon après. Enfin bon, sinon, que vous dire ? Que vous dire ? Que j'ai mis en place un petit sondage, on va dire ça comme ça, pour savoir ce que vous penseriez que les vidéos du défi passe en live, si c'est possible, hein, parce que j'ai peut-être pas une connexion qui me permette de faire ça. On fera des tests, on fera des bidouillages. Je vois que j'ai un peu force. Chercher la victoire. Faut tester. Ouais, je te dis, il faut tester. Donc voilà, que pour l'instant j'ai eu deux retours positifs. Et moi, c'est vrai que ça me permettrait vraiment d'être en lien avec vous, quoi, vraiment pouvoir public, répondre. Voilà. De toute façon, il y a la télé qui est à côté, tu peux faire un dual screen pour mettre chat IRC. J'ai pas compris. Comment dire? Quoi? Je pense qu'on peut, brancher la télé qui est à côté sur le PC. Et afficher sur la télé le chat. Le PC va gérer les deux écrans. Mais... oui, non, je pense que ouais, ça peut se faire. Quoi, mais... Oui, complètement. Mais après, voilà, c'est peut-être la connexion qui posera souci. Mais on fera des tests, on dira si c'est possible. Et si ça vous intéresse surtout, parce que... Non, si vous me dites, mais non, on s'en fout. Voilà, moi je me dis, c'est peut-être pas le temps non plus d'insister, quoi. Mais ça me permettrait vraiment de répondre à vos questions en direct. Puis ça éviterait les blancs, des fois. J'ai rien à faire, là, moi, en fait. C'est oui. Mais là, je fais rien. Voilà. Je pense que là, il va falloir que tu descends. Non, je crois que... Il va faire un super truc, le Kodo. Regarde. Ah, c'est le mec qui est dessus qui tire des flèches sur les gueudins. Voilà, ouais, c'est ça. T'as vu ce Kodo, quoi ? Il est énorme, ce qu'on dit. Ouais, c'est le roi des Kodo, un peu. Ouais. Alors, il m'emmène à... Je sais pas où. Je reconnais plus rien. Il me renvoie dans les tarides ? Mais pourquoi donc ? J'ai pas bien compris. Et puis, c'est éjecté. Hein. Mais t'as tu vu peux ça pas descendre tranquille. Hein. Bon, bah écoutez. Zonk, zonk. Zonk, zonk. 11, 8. Le tien est mieux. Là, je regarde les sons. Donc, maintenant, où qu'on va ? Où qu'on va ? Je vais prendre mon gros nounours, il me semble, maintenant. Là, ça va être... Là. Attends, là, c'est quoi ? Siège du poste de bois brisé. Qu'est-ce que c'est ? J'avais... Et la donne d'installer Crystal Peur ? Ah, pas d'addon là. Pas d'addon du tout. Pourquoi ? C'était quoi cet addon ? Ça permettait d'afficher les quêtes quand tu ouvrais ta map en fait. Ah, mais non, mais maintenant c'est ça, l'office. Ils ont ajouté l'addon au jeu. Ah ouais, complet. Je suis paumé, j'ai l'impression d'être has-been là quand je te vois jouer. Pourquoi ? Mais démodé hein. Déjà, la monture, jamais vu, je vois des couleurs dans le chat. L'ours à manie. L'ours à manie. Mais nouvelle gêne. Si tu n'as peut-être pas joué, on avait repris, nous, à Cataclysme, un petit peu. Et donc, il y avait les donjons des trolls. Hein. Ils avaient refait Zulaman. Ouais. Et... Zul'Gurub. Zul'Gurub, voilà. Et donc, je ne sais plus dans lequel. J'ai eu cet ours en monture. Tranquille. Il est beau, hein? Ouais. C'est quoi, 0,1% de chance de loot, non? Non, du tout. Je crois qu'il tombait assez régulièrement. D'accord. C'est même pas les anciens taux, quoi. Ah non, du tout. Tu vois, je pense que presque tout le monde l'a, cette tour. Ça. D'accord. Ouais, non. Un monture, c'est pas une... À Vanilla, tu revendais ta grand-mère hein, pour une monture lootée dans une instance. Hein. Ouais, bah ça, je me doute. Rien que ABC, c'était déjà ça. Et apparemment, Vanilla, c'était encore plus compliqué. Oui. Donc voilà, poste bois brisé. C'est ça que j'attendais, moi, pour trouver une auberge. Pour enfin pouvoir me lier. Sympa, hein, le trait. Ouais. Bien. Je vais le même à la maison. Tu veux dire qu'il y a le nom rouge, non ?
comment ? Il a le nom en rouge. Oui. Avec une tête de mort et un signalite. Ouais, ça pue. Hein. On va passer par derrière. Ouais, il est classe, mais il a pas l'air. Je suis pas sûr qu'il m'attaque, mais. Enfin, je pense que toi, niveau 90, tout ça, s'il avait dû m'attaquer, il l'aurait fait déjà. Ouais, il devait être focus à lancer des cailloux. Parce que ouais, je pense qu'il m'aurait vu à l'entrée de la forêt, tu vois. Mais... À lancer des cailloux sur une palissade qui ne cédera jamais. C'est ça, c'est un peu ça. Mais fais gaffe, ne prends pas un caillou quand même, au cas où. Oh, ça ira. Je me prends même pas des flèches, moi, je passe trop vert. Si. Easy, quoi. Easy. Ah là, un nouveau vol, c'est une bonne chose. Et des quêtes. Plein de quêtes. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Je suis Selinka. Au cas où vous le sauriez pas. Que puis-je pour vous ? Voilà. La route vous soit. Et si on vendait ? Ce serait pas bête, hein. Si on vendait. Ouais, surtout que j'ai toujours pas de nouveau sac. Voilà, ça c'est fait. Elle en vend pas. Hein. Ah, t'as les petites bourses. Ouais, bah j'en ai pas acheté du tout. Donc, et je pense qu'il faudrait que j'aille faire un tour en Grimmar prochainement pour augmenter un petit peu mon stuff, tu vois. Parce que je suis pas sûre qu'il soit tout à fait à niveau. On va regarder ça tout de suite. Alors, un arc qui est niveau 11 requis. Ouais. 17. Ouais, tu vois, l'arc, je pense que je peux le. Je vais pouvoir trouver mieux. Ouais. On ira faire un petit tour en Grimmar après. Adieu. Histoire de trouver quelque chose. Oui. J'ai pas regardé l'heure à laquelle on a commencé. Moi non plus. Donc ça va être de l'approximatif. Hein. Fallait forcément que je rate quelque chose. Au moins 5 minutes. Ou même plus, hein. L'Octa Force là. Mais j'avais pas une quête à rendre. Leur voix sexy les orquettes. T'as vu ça? J'aime bien les orques. Ils m'amusent. Ah donc c'est Kadrak qu'on a déjà croisé. Il a été plus vite que nous. Voilà. Je dois faire quoi? Plein de quêtes. La grille de sel. Voilà, siège du boss, c'était celui-là. Parler à Kadrak au rempart de Morshan et accompagner-le jusqu'au poste du bois brisé. Oui. Ben c'est fait, ça a pas validé ma quête. Je crois qu'il vient de te la donner celle-ci. Non, parce qu'on est au poste du bois brisé, on était au rempart de Morshan. Oui, mais il avait le point d'exclamation maintenant. Ah. Il a... Ben oui, mais. Ça m'a fait ça la dernière fois aussi, avec le même PNJ. Je pense qu'il est complètement fumé. Parce que là, il aurait dû me la valider, ma quête, vu que je le suis arrivé. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas accompagné que je suis partie dans mon coin. Hein? Ouais, je crois que c'est ça en plus. Écoute, il doit être à deux endroits en même temps, c'est ça? Oui, il a un frère jumeau. Donc, je vais retourner là-bas. Merci pour l'aller-retour, Selinka! Je me fatigue. Je suis sûre que je fatigue tout le monde. Non, ça va. Ouais. Tu prends bien le café à la fin de ton Je pense que t'es bien le seul à faire des allers-retours. Mais c'est parce que je suis tellement fière de ma monture que j'ai envie de la montrer à tout le monde. Tu vois. Ouais. Regarde, il y a celle-là. T'as vu mon or, ça manie. Il y a celle-là aussi que j'aime bien. Parce que celle-là, elle est un peu plus dure à trouver. Truche, chocobo. Ah, mais il est blanc. Chocobo blanc. Elle est blanche. C'est pas bien, il faut un chocobo doré. Mais non, mais ça c'est la monture de Keltas, je sais plus. Les deux se disent, Keltas, mais c'est deux trucs différents. Bon, le chef de du raid dans le néant, le truc du néant. Là. Je sais plus rien. Ça, moi c'est non affreux. Plus, j'ai lu les bouquins et ça parle pas des elfes de sang. Ah ouais, ils sont racistes. Il y a une épopée sur les elfes de nuit, sur Pral, sur des humains, mais ouais, pas les elfes de sang. Ouais, ça y est, une quête là. Mais bon, faisons les choses dans le bon ordre. Ah là là, c'est beau la forêt. Hein. Oh, allô. On se gratte l'oreille. Ouais. Non, mais enfin! On me disait, hein, mes pires ennemis, c'est les torches. Hein. C'est pas loin de ça, c'était une lampe. Tu vas mourir parce que t'auras une déco sauvage sur un feu de camp. T'imagines? Horrible! Avec un joueur qui passe par là et qui te filme. Eh, regardez, j'ai trouvé Selinka! Horrible! Immonde!
Le steak, c'est ma plus grande peur quand même, c'est d'avoir une déco qui me, qui me tue. Hein. Voilà, c'est toujours ça, les connexions. Pareil pour le live, hein, on verra si, si ça peut venir. Mais depuis que j'ai une nouvelle box, parce que j'ai une nouvelle box, ça a l'air d'aller un peu mieux les décos intempestives. Donc, C'est vrai que dernièrement, c'était la sécurité qui s'était mis sur l'ancienne. Il est plus là. Si, il est là. Je suis prête, ben voilà, fallait juste faire ça. Il y a mon chat qui est passionné. Mais elle regarde, hein. Elle regarde le codo. Hein. Elle est passionnée. Le coup de patte, il va partir, je crois. Là, là, parce que... Attends, est-ce que je peux? Ah, méfie-toi. Non, non, non. Voilà, elle est là. Elle regarde comme ça. Ouais, il y a des trucs qui bougent. T'as vu ça? Je veux le même. Je veux le même codo, quoi. Ah, le codo, sérieusement. Quoi, ouais. Je veux le même à la maison. Ah, il a l'attaque de Igolta dans Pokémon. Tout va bien. Je veux le même, hein. Je pense qu'il ferait la taille de mon appartement. Pixie, elle est passionnée par ce Kodo. Ah ouais, mais... La tête complètement de travers. Elle est fascinée. Loktar, regarde. On dessine tout. C'est plus rapide, hein. Ouais, il est plus sympa que ton sa manière. Tout de suite, un genre. Hein. Pas bon. Enfin, je sens le coup de patte partir quand même sur l'écran et ça, c'est ça. Vous allez m'entendre gueuler. Faut pas s'inquiéter. Ouais. C'est selon normal. Le niveau d'intensité, il faudra déduire si elle a mis les griffes ou pas. C'est ça. Oh là là, quelle bête. Brutusque. Tu vois, la porte était pas fermée tout à l'heure. Maintenant, elle est fermée. Quelqu'un avait dû faire l'event peu de temps avant. Non, je pense que j'avais pas déclenché le petit bidule qui faisait que... Le trigger. Voilà, voilà, sûrement. Il emploie des mots que je connais pas. C'est un point de passage imaginaire. Mais c'est... En fait, c'est quête. Tu fais rien. Ah non, les autres, tu es brutusque. Oui. Brutusque, non. Attends là. On va voir ce qu'il dit, parce que s'il veut charger... Je vais prendre un le... caillou sur... Non, non, je crois pas. Instant, voilà, suivez-moi. Voilà. Mon dieu. Ils ont tué Brutus. Je trouve la caméra très sombre par moment, donc je sais pas si ça va ressortir au montage. J'espère pas. Par moment, tout va bien. Tout va très bien. Et par d'autres moments, c'est très sombre. J'espère que vous aurez pas de soucis, vous. Voilà, j'ai bugué. Tu as la bague de Gorka. Gorka? Gorka. Ou Gorak. Je pense que c'est entre Igor et Grishka. Donc je pense que c'est là-dedans. Mine de bois brisée. Que dois-je faire? Rien. Ah si, il y a quelqu'un quand même, non? Ah, c'est dehors. Non. C'est peut-être là. Ouais, j'avais pas vu. Et un chaudron. Non, c'est une torche. Je n'avais point vu l'embranchement. Voilà. Un rat. J'aime pas les rats. J'aime pas les rats. Mais j'aime pas les lapins non plus. Un petit lapin. Je les tue. Comme si c'était pareil. J'ai pas de pitié. Je suis pas une druide, hein. Alors là, bon, ça monte. Je suis presque niveau 25, dis donc. Yeah. Dis donc. C'est 75% de pile. Ouais, non, c'est cool. C'est cool ça. Mais bon, ça monte pas vite quand même. Et mon chat, il est en train de s'endormir. Là. Mais assis, quoi. Il s'endort devant la télé. Il fait comme maman. Alors, voilà, faut vous dire. Non, ouais, maman, elle ne dort pas devant la télé. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, je suis perdue. Je rigole pas. En plus, il n'y a pas de carte. C'est par là. Oui, c'est bon. Là, et à droite, non? Là. Et là. Ça y est, je me suis retrouvée. Non, mais je vais au fond, là encore. Oui. Mon sens légendaire de l'orientation. Un peu à gauche, ouais. Là, on tourne. Là, à droite.
Il y a un rat. Un rat. Il y a un rat. Un rat, non. Bon, je l'ai perdu. Pixie, il y a un rat. Ben, agis, chat. Chat inutile. Non, je m'endors. Oula. Elle s'endort et elle a failli se péter la gueule. Elle est nulle. Elle est nulle. Bref, je voulais dire quoi à propos d'elle? Je voulais dire qu'elle a fait ses premières sorties dehors il n'y a pas si longtemps. Donc, elle a découvert un peu le monde. C'est-à-dire, elle allait à 5 mètres autour de l'appart. Elle n'est pas allée plus loin pour le moment. Mais elle a découvert un petit peu le monde. Et ça la fatigue énormément. Je sais pas pourquoi, elle rentre et dort. Enfin, c'est un charme en même temps. Trop d'émotion. Ah ouais, mais... Et en fait, elle est en flip dès qu'elle sort. Je vous raconte pas, elle est... Déjà, elle met 5 minutes à ne plus bouger. Elle sort, en fait, elle est presque... C'est presque si elle est rampée. Tu vois? Parce que tu vois le genre ou pas? C'est... Là, avec le bas, c'est rampe en fait, tellement elle a peur de tout ce qui se passe. C'est un chat inutile. Il y a plein de quêtes. Ouais. Il y a un masse de quêtes là. Et là, c'est quoi? C'est la griffe. Oui, c'est la griffe. On ira après. Là, on va se diriger tranquillement vers la quête numéro 4. Tu peux faire un suivi carrément. Bien sûr. Tu vois, il faut cliquer là sur les bidules. Oh, les bidules. C'est beau les bidules. Et ensuite la flèche. Parce que on est nul. Enfin moi surtout. Moi ça me sert beaucoup hein, ce genre de choses. Oui, c'est toujours utile. Non, mais je, moi particulièrement, vu mon sens de l'orientation complètement pourri, ça me sert beaucoup, beaucoup. Donc la 4-4, c'est jouer avec les gangrefeu. Ça me paraît pas une bonne idée. Gangrefeu siphonnés. Ouais. Oh purée, est-ce oui, que tu c'est dois les siphonner ou est-ce qu'ils le sont de base? Je pense un peu des deux. Je me souviens de cette quête que j'ai vu Kiran la faire. Mais je sais pas combien de fois il a failli crever. Parce que c'était pas. Ouais, mais là, tranquille. Pourtant, il était, je crois qu'il était plus haut niveau que moi à ce moment-là. C'est possible. Bah ouais, c'est injuste. La vie est injuste. Donc, je devais faire cœur corrompu, blablabla. C'est eux que je vois siphonner. Ouais, hein. Ils sont mobiles. Hein. C'est l'item que t'as récupéré. Faut peut-être le tuer et le faire. Ce qui n'est pas impossible. J'ai perdu la touche. J'ai objet de quête. Ouais. Sur... Non, c'est pas ça. Siphonne le grand refeu d'une gerbe de flamme. D'accord, c'est ça. C'est les flammes qu'il faut siphonner. J'ai l'impression que c'est ça, non? Oui. Bon. Oui. Il y en a tout plein sur ta droite. Oui. J'ai vu. Ça, c'est cool. Bon, bah, on y va tranquille. Je me rappelle, il était en stress total, Kiran. Il avait peur qu'un truc lui tombe sur le coin de la tronche. Vous ne pouvez plus. Hein. Regarde-moi ce que j'en fais de ce grand regarde là. C'est-à-dire qu'on veut plus. Et bam! Voilà. Hein. Petite pensée pour Kiran, tu dois être bien dégoûté. Non, c'est vrai que j'ai peut-être une chance. Voilà. J'ai peut-être une chance de pouvoir. Comment dire? Comment t'as dit? Bah, aller. Plan diabolique. J'ai peut-être une chance de le réussir, ce défi. Oui. Puis avec tout le soutien que j'ai. Il n'y a pas de raison. Je fais le maximum pour pas vous décevoir. Parce que... Voilà, les internautes sont à fond. Ça serait blasant de mourir niveau 30, quoi. On bourre le soutien, Selinka. Oui. Oh, mais j'aime elles sont magnifiques, ces statues. T'en veux pas une dans ton salon? Oh. Je sais pas pourquoi, mais non. quelque chose qui me tente pas. T'as vu, j'en ai fait un qui a pas marché. T'as pas fait attention? Non, j'ai pas fait attention. J'étais omnibulé par les statues. Pas de cailloux. Bon, bah, écoute, tout va bien. Ouais, même l'infernal, on dirait un jouet, quoi, en fait, quand tu tapes dessus. c'est quand même assez impressionnant que ça soit si facile, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est... Ouais, parce que niveau... C'est, imagine, je serais un peu stuffé. Bah ouais, ça prendrait deux fois moins de temps, quoi. Si t'avais du bleu en sortant d'instance. Ouais, genre une morte mine. Et pour ceux qui sont héritage, ça doit être une promenade de santé, tu vois. Je me dis. Ah, ils pexent même plus en sur un des meubles.
Tu fais recherche de groupe et c'est bon. Mais là, c'est vrai que tu vois, comme je le disais, je fais toutes les quêtes de la zone avant de partir de vers une autre zone aussi. Je pense que ceux qui sont stuffés, ils partent un peu avant. Parce qu'au bout d'un moment. Enfin, sauf ceux qui veulent vraiment faire le maximum, quoi. Qui veulent avoir tous les hauts faits de finir les quêtes des zones, etc. Quête, ouais. Voilà. Je suis sûr, il y en a qui ont fait tous les hauts faits des quêtes comme ça. Toutes les zones. Ouais, qui ont fait un perso. Alliance et Horde. Oui. Bah tiens. J'en suis persuadée. Tu veux pas faire ça après ton défi Iron Man? Déjà, l'Alliance. J'ai rien contre les Alliancieux. Enfin, si, beaucoup. Beaucoup de rancœur, d'amertume. Mais non, l'Alliance, j'accroche pas du tout. Hein. J'ai essayé plusieurs fois et. Sortie de la zone de départ, non. Je peux pas. Je peux pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, ouais. J'accroche pas. Après, bon, je comprends, il y en a qui aiment. Mais le côté. Déjà que Hurlevent, ça m'énerve, Hurlevent, tu vois. C'est trop. Je suis c'est trop carré, ordonné. Ouais, c'est, ça me plaît pas. C'est carré, c'est peut-être l'ordre. Le fait d'avoir eu un père militaire, je sais pas. Hein. Mais oui, non, je préfère le désordre de l'ordre, tu vois. C'est le chaos contre l'ordre. Ouais, mais voilà, c'est vrai que. Bon, j'aime pas du tout celui qui. Comme Garrosh. Je l'aime pas celui-là. Garrosh. La Garrosh est la terre. Oula, oui. Dirige maintenant la Horde. Parce que Thrall, il est parti. Ah, je t'en apprends des choses. Il me semblait calme, mais bon, très cinématique. Pas de zob, je m'en souviens pas. Ouais, bah oui, il est parti, c'était à l'époque du cataclysme, il est redevenu vraiment un chaman, quoi. Ouais. Pour. Je sais plus trop, hein. Je vais pas dire des bêtises, donc racontez-moi l'histoire par des commentaires. Parce qu'à la base, c'est vrai qu'il n'y a plus de raison de redevenir chaman, en fait. Bah là, c'était visage. Oh, mes premières épaulières! Je suis émue! Elles sont blanches? Elles sont grises! Elles sont grises! Oui, je suis émue! Tada! Ah, les petites épaulières. Ah, mais tout de suite, hein, ça ressemble à rien. Hein? Mais je suis émue. Voilà, j'ai la petite larme chute. Ah, mes premières épaulières. J'attendais que ça. Mais en fait, c'est vrai que au niveau du stuff, en fait, je parle pas d'un stuff gris ou blanc. Les épaulières, c'est ce que j'aimais le plus. C'est à ça que j'identifiais plus la puissance d'un personnage. C'est bête. Ah, est-ce qu'il est épaulière T2, T3 Ah bah ouais, je me souviens de quand je jouais encore voleur à l'époque. C'est le stuff témoin. Je sais. quand je jouais encore voleur, il y avait des épaulières, c'était qui crachaient du feu. C'était classe quoi. C'était un stuff PVP, mais je sais plus lequel exactement. C'était hyper classe. J'ai pas fini. Un gangre-feu qui me. Ah, j'ai pas tout siphonné. Je pensais avoir tout siphonné. Mais non. Mais non. Justement, avec un tas de minerais. Ouais. Filon d'étain. Mais point. Point pour moi. Pas de métier. Je dois m'approcher. Ça fait de l'XP. C'est quand même dommage parce que pour le défi qu'on puisse pas faire un métier. C'est vrai qu'avant, c'était pas autant, tu vois, l'XP sur les métiers, c'était pas autant. Parce que maintenant, je suis sûre que tu peux monter niveau 50 facile, rien qu'en récoltant, quoi. Donc. Tu vois, rien que de pouvoir faire de la bouffe, je pense que ça aiderait. Les bandages, ouais, mais je crois qu'on peut le faire. Ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais j'arrive pas à avoir l'utilité pour le moment, donc. Mais oui, il me semble que le secourisme, on a le droit. Il me semble qu'on a le droit, le secourisme. Quand même. Parce que, ouais, tu dis c'est facile. Et ouais, quand j'ai fait ma chasseuse sur Vanier, hein, j'avais secourisme. J'en avais besoin. Bah oui, non, mais. J'avais besoin de régène. Hein. Mais en fait, tu sais, ce défi a été créé aussi pour que les gens qui. Vraiment les adeptes du haut retrouvent un peu de difficulté. Tu comprends? Ouais. En fait, c'est. C'est vraiment ceux qui ont été blasés du fait que la difficulté a été baissée. A été baissée, donc il a
Ils se sont imposés eux-mêmes des difficultés. Ah, une araignée! Une araignée fufu! Je vais mourir! Je vais mourir! Non, 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 on se casse! Vite, 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 vite! Ça va le faire! Vite! Ouais, avec la monture, putain! Non, mais non, son deck! Mais elles sont velues, hein! Mais non, mais c'est poison surtout! Cassez-vous! Saleté! Mais je vais pas mourir comme ça! Okay. Tu veux bon. Pas le pistage des bêtes? Ah, peut-être. Je sais plus comment ils sont. Ah, c'est là. Pistage de chasseurs. Pistage des bêtes. Et les camouflés. Oui. Tu peux en mettre deux maintenant? Je peux tous les mettre si je veux. D'accord. Voilà. Ah, tu vois, Vania, c'était qu'un seul. Hein. Je suis pas tout à fait sûr que tu as le droit de tout mettre pour le défi. Hein. Bah si, c'est des skills de chasseur que j'ai de base, j'ai le droit. Quand même. Mais bon, les bêtes, pour l'instant, ça suffira. Je sais pas. Bêtes et les bêtes. Camouflé aussi, c'est utile. Ouais, camouflé, hein, tu devrais le laisser de base, ici, je pense. Ouais. Bon, oui, de... Ouais. Voilà, ça c'est cool. Hein. Là, c'est quoi? Un camoufle? Ah non, c'est un dingue. J'allais où? On va rendre les quêtes, déjà. Je me suis fait une frayeur, je ne raconte pas. Tu vas pouvoir choper 25. Ah, mais j'ai eu peur. Bah, j'ai peur, hein. Ma vue est descendue presque à moitié. Presque. J'entends d'ici ceux qui ont raté leur défi faire gna 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 gna. Moi, ils m'ont tué, les araignées. Hein. J'avais pas l'ours à manier. D'ailleurs, c'est dans cette région que... Feu qui est feu au personnage de Kira, il est décédé. Tué par un daim. À cause d'une chèvre, c'est ça. Un daim. Presque. Presque. Voilà. Tu vas voir qui va manger la chèvre ce soir. De quoi avez-vous besoin? Allez, avec honneur. Ta-da-da! Niveau 25. Ah, il y a les griffes, c'est vrai. Cherchez la chèvre. Oui. Voilà. Pas pour moi, toujours. En fait, c'est vrai qu'on profite pas de plein de choses qui ont été mises en place. Mais maintenant, c'est vrai que moi, je serais perdue. Hein. Je reprendrais sérieusement. Je serais vraiment perdue pendant le jeu. Rien que l'arbre des talents qui n'existe plus. Enfin, je suis... Tu pourrais montrer à quoi ça ressemble un peu. Ouais. Voilà. Bon, déjà, tu choisis la spécialisation. Tu en choisis une des quatre là en fait. Voilà, c'est ça. Et ça va te proposer un deuxième palier où il y aura un nouveau 4. Au final, quatre, bah voilà, donc si mettons, j'aurais pris la maîtrise des bêtes, je pense que j'aurais eu direct ordre de tuer, puis du tir de. Enfin, des trucs, tout ça là. Au niveau ouais. 40, le courroux bestial, puis tir du cobra niveau 81, je sais pas ce que c'est. Tir du cobra, je me souviens pas, mais courroux bestial, c'était vilain. Tu es tir du cobra, je pense que c'est un nouveau truc, tu vois, ouais, niveau 81. L'icône ne me dit rien. Ouais. Et après, voilà. C'est oui, voilà, toi aussi. Hein. Tu serais. Il y en a partout. Ah, mais c'est... En fait, tu choisis au niveau 15, tu prends un truc, machin, et au niveau 30, un mais autre. Mais je comprends. Et déjà, la première ligne, il n'y a aucun skill que je connais. La deuxième, bah, tu sais, si, intimidation. La troisième, engagement spirituel. Ouais, il y en a un. Voilà, comme toi, ça. C'est. Moi, je serais complètement à la ramasse. Hein, ouais, en fait, tu reprends ton abonnement, tu te connectes, tu fais « Mais je peux pas jouer avec mes persos, ils ont plus de sorts, faut tout que je rechoisisse comme ça, là. » Bah, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Des morceaux de minerai que je dois trouver. Mais qui sont dans la mine. Bah, je suis dans la mine. Enfin. Je sais pas ce qu'ils sont dans la mine. Bah ouais, ça regarde, c'est tout bleu. Ah, ils sont là. Quand là, c'est bleu, c'est que tu es... Je suis dans la zone où il y a les trucs. D'accord. Voilà. Voilà. Bonjour, je débarque. C'est ça. C'est beau, je te fais découvrir plein de choses. Ah ouais, tu vois, j'ai joué 6 ans à WoW, mais... Non, ça compte plus. Il y a pas de soucis. Hein. Non, je te dis, ça compte plus du tout. Hein. Mais non, mais plus j'y pense, c'est vrai que plus que cette idée de live me plaît, quoi, c'est... vraiment de pouvoir répondre aux gens du là, tac au tac, toi. Là où ça serait le plus faisable, je pense, ça serait chez Argos. Ça serait chez Argos.
Oui. Allez, bah, là, il a ce qu'il faut. On essayera de vous faire ça, si ça vous plaît. Il faudrait que tu branches la caméra, qui n'est pas... Avant que, je perde l'image. Voilà. Donc, un petit bidule. Assistance kids. On se rejoint tout de suite. Heureux, voilà, c'est bon, on a pris les choses en main, enfin, Kritz a pris les choses en main, parce que en fait, j'avais dû débrancher avec mon pied la caméra, donc vous avez failli plus avoir d'image. Je serais toi, j'aurais accusé Pixie quand même. Ouais, dans mais non, doute, après on va dire que je suis une mauvaise foi, voilà. Enfin, j'assume. Mais c'est bon, apparemment, l'image n'a pas été perdue vu que le compteur défile. Tout va bien. Ouais. Bon, au pire, c'est que vous voyez... Je pense qu'il y a au moins 5 minutes d'autonomie. Voilà, au pire, vous auriez juste plus vu ma tête, hein, ce qui n'est pas très, très grave au final. Tu joues un diablotin. Pourquoi, oui. Pourquoi Qu'est-ce je suis qu'il ça se passe? Qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas. Je sais pas. Utilisez le minerai maudit afin de marquer des cibles pour Draka. Vous devez vaincre 30 elfes de la nuit et 5 anciens déchaînés de cette manière. Parlez à Durak pour obtenir un nouveau déguisement. Bah on va y aller, hein. C'est rigolo, j'aime bien. Oh. C'est cool. Et suis un diablotin. J'aurais été toi, j'aurais demandé à être un gang regarde au moins. On n'a pas le choix, enfin. On est un sous-fifre, c'est tout. Pourquoi ils ont peur? Ah oui, ça tremble. Exact. C'est tout cassé, en fait. Non, je crois que c'est le siège qui est en train de tout casser. Voilà, tout le monde est crevé. Tout le monde est mort. Voilà. Oh putain, ça pue, hein. Oh, non, tranquille. Comme t'es en forme diablotin, t'es humide. Escalader les tours de garde. Lutte. L'escalade. Allez. Par là, hein. Enfin immunisé, je ferais pas confiance quand même. Hein. T'as vu ce qu'il balance Moi, j'aime beaucoup la façon dont tu escalades via des escaliers. Utilisez le mode Rémuni. Voilà, vous avez tout compris, le minerai maudit, c'est mieux. Mais là, là. 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 Bon. Elle a rien fait l'archer. Bah non, mais c'est une elfe de la nuit. Je sais pas moi ce que je dois faire. Attends. Si, tu dois les viser, je pense. Ouais, j'ai 5 anciens déchaînés, voilà, d'accord, je dirais je les tire. Et 30 elfes, ouais, tu l'as bien abattu. Est-ce que t'as tué le sniper isolé, alors je suis sûr que tu bourrines. Tu bourrines dans le tas, là, ça passe. Boum. Voilà. Toi, il brûle, il brûle. Le pauvre arbre, quoi. Il brûle. Le pauvre arbre, toi, il nous balance des gros cailloux sur la tronche, quand même. Hein. Vous êtes venus dans leur forêt. Bah oui, mais ça, c'est une autre histoire. On sent que t'es allianceux dans l'âme, là. Ah là là. C'est vrai que tu joues allianceux, toi, non? Au début, oui. Ah là là. Ma chasseuse est le plus de la nuit. Ah là là. C'était mon premier perso, j'avais 16 ans, j'ai fait un elfe qui coue. J'étais content. Ouais. Je me suis rattrapé, après, j'ai fait une orque. Ah, voilà. Moi aussi, j'ai fait une orque. Norque mage, niveau 85. Ouais, c'est une chamane. Il est long le temps de recharge du truc, on se fait un peu chier. Hein, un peu. Ouais, c'est quoi, 10 secondes presque dessus hein. C'est long, ouais. J'ai l'impression d'avoir le cooldown. Là, tout à l'heure, j'étais sur les forums dans Pokébip pour spammer les gens, pour avoir un Melodelf en parc safari, tu sais. Ouais. Tu veux bien être mon ami? Vous devez attendre 10 secondes pour envoyer un message à une autre personne. T'en as envoyé à combien de personnes? J'en ai envoyé 5 pour Melodelf et 5 pour Ténéfix. Voilà. Si quelqu'un a ces deux Pokémon-là avec le talent de Rimworld, je prends. Ah, Pokémon. Moi, c'est vrai que je suis plus trop... Ouais, j'ai fini l'histoire, tu vois. Ouais, c'est le côté farm qui est un peu relou. Et ouais, voilà. C'est un peu ça, quoi. Bon, se faire éclairer les œufs et tout ça, c'est... C'est usant. C'est chiant. C'est usant. C'est complètement chiant. Ouais, de toute façon, il faut être clair, hein, quand on allume sa DS pour faire des allers-retours devant la pension, on met une vidéo et on regarde le film. Hein. On regarde pas ce qu'on fait sur la DS. Hein. Allez, ça, plus qu'un. Tu devras avoir bientôt une équipe d'Evoli, il me semble. Oui, je vais avoir des Evoli. Ça, c'est cool, ça. Grâce à toi.
Oui. Évidemment. Tu peux le dire, hein. Tu peux affirmer haut et fort, c'est toi qui donne parce que j'ai la flemme de farmer. Une première génération d'Evoli qui n'a pas été fait sur X et Y. Pour inciter Selinka à faire des matchs. Ouais, parce que... Ils râlent parce que je joue pas contre eux. Mais en même temps, si je joue pas contre eux, c'est parce que je suis trop forte et que je vais me battre. Alors là, je te laisse choisir tous les Pokémon qui sont dans ma banque et on fait un défi. C'est ça, ouais. Genre, bah, non, non, je vais avoir du soutien, tu verras, ils vont me dire, oh, c'est une calette trop belle. Tu vas voir les spectateurs qui vont me dire, prends mon Demeteros, t'inquiète, tu es malade. C'est ça. Bon, c'est beau de rêver, hein, je suis d'accord. J'en ai marre d'aller dans cette grotte, sérieux. Ah, c'est un peu les allers-retours. C'est bah ouais, mais en fait, c'est beaucoup ça le défi. Darak, Karak, Darak. De quoi, Darak? Je crois que c'est Darak, le nom du PNJ que tu dois aller voir. Tu si, prends c'est les ça, paris? Darak. Oui, non, c'est marqué dans ton. Durak. Oh non, j'ai dit si. Mais je suis loin là aussi, je vois pas, je suis ouais, myope et tout. Regarde, ouais, j'ai pas mes lunettes là pour lire. Bouh. Ouais, je dis, hein. Mais allez, une masse maudite. Adieu. Adieu. Voilà, je préfère être en elfe. Hein. En plus, t'as dit adieu, tu devrais pas revenir. Voilà, je suis mieux dans ma peau, là. Tu crois que ça dépend vraiment, le non. Adieu? Non. Il dit au pif, en fait. Oui. Ok. Ah oui, le mec, il te dit adieu, alors que t'es censé revenir le voir pour valider la quête. T'as vu la taille des blattes? Ah oui, j'aimerais pas les avoir à la maison. Des rats et des blattes, veillez donc. Je devrais faire un peu le ménage dans cette mine. Une mine. Bref. Bref, que fais-je? Que fais-je? Oui, que fais-je? Bah voilà, que fais-je que c'est déjà l'heure en fait. Que faire? Du rouge, de l'hiver. C'est déjà l'heure, donc je vais juste prendre la quête qui est là. Sauf si c'est une quête de... Escorte, hein. Avec un petit timer là. Vite, vite! Tu as une heure pour faire la quête. Voilà. C'est problème. Enfin, la fin, je n'ai peut-être pas. Mais... Ah ouais, mais non, c'est classe, hein. C'est joliment fait. Ah bah, tu vois, ils me disent apporter ça au Orgrimmar. Ah bah, très bien. Je pourrais aller chercher ton prochain stuff pour la prochaine session. Écoute, bah ouais, d'ailleurs je vais juste faire le vol, le temps de dire au revoir. Bravo. Voilà, bon bah écoute, Creed, sympa, hein, t'avais l'air un peu perdu. Ah mon dieu, mais j'ai l'impression d'être démodé. Mais si oui. Si tu débarques dans les années 2000 avec un t-shirt d'un boys band dans la boîte de nuit du coin, c'est pareil. C'est ça. Ouais, mais quand j'ai repris un peu aussi, j'étais... Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi? Le pire, c'est quand je suis revenue sur Cataclysme et qu'il y a eu le tout des refondes des maps, parce qu'il y a eu le Cataclysme, et que les Tarides étaient coupés en deux par un gros ravin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, je me suis dit, je reconnais plus rien. Tu vois, Ashara, c'est devenu une région gobeline. Tu vois, avant, c'était plutôt naga, elf, etc. Mais là, c'est que des gobes. C'est vrai que ça m'avait choqué. Mais bon. Ah, mon parcours pour PEX 60, il est plus bon. C'est ça, tu dois tout refaire. Mais bon, c'est cool. Moi, j'ai toujours tout le temps de plaisir à le faire, ce petit défi. J'espère que ça vous Donc plaît là, toujours autant. Donc là, c'est en fait. C'est en Rima. Il y a des douves et tout. Ah, t'avais pas vu ça. Oui. D'ailleurs, la première fois que je suis revenue au Orgrimmar, je suis haut. J'étais obligée d'ouvrir la map pour voir où j'étais. Faut revisiter, du coup. Voilà. C'est beau, hein. Ouais, donc ça, c'est l'entrée annexe, en fait. Parce, ouais, c'est... Voilà, on est passé sur le côté, quand même. Fort gros marche. Donc, sur ce... Creed, je te dis à bientôt, j'espère. Oui, bien hein, bientôt, tu ne vas pas nous faire des petites musiques sympathiques. Bientôt tout le monde, oui, ça travaille. Ça travaille, en espérant que ça soit bientôt. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du défi. Puis, je pense qu'il y aura une petite vidéo, pas bonus, mais un peu explicative, voir un peu vos retours aussi sur l'idée du live. Donc voilà, je vous prépare ça dans le week-end. J'ai expliqué les... comment ça va se passer.
les horaires qui te seraient disponibles, les horaires qui arrangeraient la majorité. Voilà, ça, bon, tout ça. Tu peux voir un peu comment on va pouvoir organiser tout ça. Donc je vous fais des gros bisous. Salut, à la prochaine. Ciao.